Frères et sœurs, bonjour, comment nous y est? Nous souhaitons nous être bien dormis. Nous disons bonjour, merci de nous passer une semaine à bien, jeudi en vendredi. Nous disons merci parce qu'il te garde nous, te protège nous. Nous allons continuer à lecture jeudi en nous prier. Seigneur, merci pour grâce, merci pour bonté, pour l'amour, que nous bénis, que nous sanctifier, que nous exalter d'éternité en éternité. Seigneur, va mettre dans bouche tout ça pour nous dire et puis tu vas bénir au nom de Jésus. Amen. Lecture pour matin 12 avril, nous joignons Nina. L'histoire de la rédemption, nous dans chapitre 22, nous allons continuer avec sous-titre « Mort et résurrection de Moïse ». Alors, je dis, nous allons finir avec chapitre 22. Hier, nous avons dit que Moïse était le peuple à dernier avertissement. Faites songer que si vous n'avez pas le commandement de bon Dieu, eh bien, il y a possible de malédiction. Le commandement de bon Dieu, si vous n'avez pas le tout, il a joui de promesses que bon Dieu lui fait. Il dit que des plaines de Moab, Moïse l'y montait sur le mont Nebo. L'y montait sous sommet Pisga qui situé à l'est de Jéricho. Il dit Seigneur, l'y montrait Moïse pays. L'y montrait région Galaad jusqu'à Dan. Li montre li région Neftali, région Ephraim, région Manassé. Li montre Moïse et pays Canaan, côté le monte sous mon Nebo, sous sommet Pisga. La montre li et ville Canaan jusqu'à Soar. Il dit après le Seigneur lui dit, regarde le pays, garde le pays que me promet à Abraham, à Isaac et à Jacob, les que me te dio. Et m'a baye pays ça à descendant nous je donnerai ce pays à vos descendants moi montre li mais ou pas rentrer là-dedans dit Moïse ou pas rentrer dans pays m'a montre li la montre le beau pays mais dit li pas rentrer Moïse le serviteur du Seigneur li mourit là dans le pays de Moab Jean Seigneur a dit ya Seigneur a dit il pas rentrer et bien Moïse mourit li pas rentrer. Il dit bon Dieu lui-même enterré Moïse dans une vallée de Moab. Et jusqu'à ce jour, pas gen moun qui te connaît exactement côté tombeau Moïse teye. Il dit Moïse te gen 120 ans l'el mouri. Et pourtant Dieu Moïse te bon. Moïse pas besoin lunettes. Il dit vu li pas baissé et li te gen toute vitalité. Wa konn série de ti grand moun 80, 85 ans, yo fait tout à fait, yo rien toute force yo sou yo. Moïse te gen toute vitalité sou li à 120 ans là. Et li pa besoin li Dieu te bon. Il dit l'Éternel pas vle pour anken moun accompagner Moïse sur le sommet du mont Pisga. Parce que c'est là Moïse li bon Dieu fait l'aller et puis Moïse mouri. Il dit Moïse le vieillard se tient là en présence de Dieu et des anges, et après que le fin contemple Canaan avec satisfaction, li couche, li repose, tant kou yon guerrier qui épuisé. Moïse fait pile parcours dans le désert ensemble avec Israélite. Eh bien, guerrier a finalement li repose, li couche, puis il s'endormit, mais du sommeil de la mort. Moïse li mouri, li bon sommeil de la mort. Il dit y a des anges qui prend comme Moïse et qui enterré comme Moïse dans la vallée. Il dit Israélite yo pa te ka jam konnen côté Moïse te enterré. Il dit il te rete un secret pour yo, c'était pour bien yo te rete un secret. Yo pa konnen côté Moïse te enterré. Bon Dieu pa kite yo konnen pour te capable empêcher Hébreu yo prend et côté ça comme yon côté idolâtrie pour yon pas pratiquer idolâtre sous comme moi et pour yon pas pécher contre le très haut. C'est ça fait bon Dieu pas quitter yon connaît côté que Moïse l'y enterré. Des anges yon enterré Moïse. Il dit Satan te réjoui en pile parce que l'y te poussé Moïse pour le pécher contre bon Dieu. Là où en a fait ça qui mal. Satan a grien dans li ri
l'el wè n'ap mal agi, n'ap mal parlé, n'ap péché contre le Très-Haut. Oh, c'est plaisir ça. Il dit Satan s'était grandement réjoui. Ça veut dire il était gon jouissance qui était extraordinaire, comme si c'est ton il était content en pile. Le fait qu'il était réussi pour pousser Moïse pour te péché contre Dieu. Il dit à cause de faute ça, c'est ça que fait Moïse te mourir. À cause de cette faute, le patriarche fut livré au pouvoir de la mort. Mais il dit si Moïse était fidèle, n'est allé. La ville pas tachée ensemble avec péché ça qu'elle était commettre là. Eh bien, au songe là que il pas glorifier bon Dieu. L'elle frappé rocher à deux fois, il parlait Jean le pas doit parler, il pas glorifier bon Dieu et comme si Jean le parlait à gloire c'est pour tête l'île pour lui. Il dit c'est ça qui fait Moïse pas entré dans la terre promise et c'est ça qui fait il pas aller dans le ciel sans que il pas passer par la mort. Et ça fait que Moïse est mort. Si Moïse pas commettre péché ça, Moïse t'a pas dans le ciel tout vivant. Moïse t'a pas aller dans la Canaan terrestre. Tout vivant, il t'a aller dans la Canaan céleste tout vivant, li pa ta pour la mort. C'est ça le dit. Bon li pour nous. S'il avait continué à être fidèle et si sa vie n'avait pas été entachée par une seule défaillance, regardez, c'est celle ça qui enregistré, oui. Comme on bail Moïse fait vraiment si mal, bon Dieu fâché contre lui. Qui avait consisté à n'avoir pas glorifié Dieu, qui avait fait jaillir l'eau du rocher, il serait entré dans la terre promise et aurait été transmué au ciel sans passer par la mort. Allez-y, frères et sœurs. Si n'a pensé que un seul petit péché pas vraiment important et que nous cap vivre depuis nous bon dans tout l'autre point yo que c'est seul petit bagage ça nous a fait les petits devant yeux nous et puis nous penser OK n'a pas aller dans ciel comme ça nous pas pour aller dans ciel comme ça nous besoin pour nous porter victoire sous tout péché nous un seul grain péché avant péché monter dans ciel regardez un péché Moïse commet ni repenti bon Dieu pardonnel mais il paye conséquence là il pas li bon Dieu pas quitter l'aller Canaan il dit après que dépouille Moïse cadavre Moïse reposé dans la tombe pour un temps Michaël, qui voulait dire le Christ, c'est-à-dire le Christ, Michaël, qui c'est Jésus lui-même, ensemble avec des anges, qui, ange Saïo, qui était enterré Moïse là-même, yo descendir du ciel. Et puis, Michaël ressuscitait le patriarche et l'y menait dans le royaume céleste. Eh bien, gagne espoir pour nous, nous besoin repentir. Nous besoin repentir pour tes victoires même si nous perdu la vie ça sous terre parce que c'est pas nous toutes qui prêter vivant pour nous transmuer aller dans ciel si nous mouri depuis nous repentir les Jésus vini n'a pas tant des voiles qui dit nous réveiller mais nous besoin pour nous repentir pour nous porter victoire lui dit les Christ ensemble avec ange rivé bon côté prophète la terre enterré Satan avec ange li yo vini devant tombe Moïse pour yo capable empêcher Jésus aller et bon côté Moïse. Il dit lorsque le Christ et ses anges s'approchèrent plus avant, Satan essaya de s'opposer à eux. Satan vient camper en croix devant eux regarder pour pas venir lever Moïse. Il dit Christ oblige il fait Satan reculer. Satan prétend que le gain droit sous quoi Moïse à cause du seul péché qu'il avait commis. Satan prétend le gain droit, oui. Et Satan connaît un seul péché, quel que soit tel ou tu penses qu'il était gros, quel que soit tu penses qu'il était petit, un seul péché a empêché au gain la vie éternelle. Satan vini, il vient réclamer comme Moïse pour le dire Jésus que rien droit sous comme Moïse qui n'en tombe là c'est en bamnier c'est moi qui chef lui parce que lui t'est péché mais le Christ il répond il pas vraiment répondre et Satan il juste dit Satan que le Seigneur te punisse en parlant de papa lui il dit que bon Dieu punit dans Jude 1 verset 9. Le Christ dit à Satan que Moïse était repenti
an, li te repenti humblement de faute sa ke li te komet la. Et désormais Moïse li sans tache. Oui, Moïse te péché, mais Moïse te repenti, ça veut dire péché la effacé et non li rete inscrit sur les livres du ciel en bonne place. Non li est inscrit dans le livre de vie parce que li te repenti, avait dit non Moïse pas effacé dans le livre de vie. Péché li yo péché li yo c'est eux même que bon Dieu pardonne le pour yo. Il dit alors le Christ ressuscita le corps de Moïse que Satan avait revendiqué comme sa propriété. Frères et sœurs, histoire ça yo c'est pour nous que yo doit apprendre nous que pas bon petit péché qui parle dans ciel, nous pas qu'un petit défaut. Nous dit si parce que en pile fois que les bagages nous connent gain nous penser oh c'est pas trop important. C'est pas ou pas gen petit défaut de caractère qui peut aller dans le ciel. Faut qu'on repenti humblement, faut qu'on converti. Moïse t'a fait ça. Moïse s'est repenti de faute que l'était commet. Alors désormais, il était sans tache. La justice de Jésus couvrit Moïse et non l'était inscrit en bonne place sur les livres du ciel. Alors le Christ l'a ressuscité comme Moïse que Satan te vienne revendiquer comme propriété. Ou imaginez, ou adventiste du 7e jour, ou chrétien, ou apkembe sabbat, etc. Et puis, qu'on y a là, mais on mourit avec un paquet de péché qu'on pas repenti de eux-mêmes. Pas de problème sou ou te qu'on commet péché. Ou ap commet péché, mais faut quitter yo. Ou pas qu'on dit l'ouap mourir. Ou doit mourir 2 secondes après ou ka mourir demain si Dieu veut ou pa konn ki l'ou a mouri. Ça veut dire faut toujours marcher tout sauver, marcher tout paré parce que pa konn ki lè souffre ou gagnant ki lè bon Dieu a prémandé li. Alors faut que nous marchions tout paré. Il dit lors de la transfiguration de Jésus, Moïse, les Jésus étaient transfigurés sur la montagne, Moïse avec Élie qui était transmué. Moïse est passé par la mort, après ça Jésus ressuscité, il est monté dans le ciel. Élie lui-même est monté, il pas trouvé la mort. Eh bien, tous les deux, ils ont vini bon côté Jésus. Bon Dieu voyait yo pour venir parler avec Jésus. Pour venir réconforter lui dans souffrance lui et pour capable porter la gloire de Dieu bon côté Jésus, le fils bien-aimé de Dieu. Le Seigneur avait accordé à Moïse de grands honneurs. Moïse c'est un privilège pour parler face à face avec l'Éternel. Jean yon moun parler avec yon zami. Bon Dieu t'a révélé le gloire li. Yon bagay que li pa jam fait avec aucun mortel. Est-ce que nous ouais ki relation Moïse te gen ensemble avec bon Dieu? Et puis li commet un péché? Li joine conséquence pour péché. Alors frère, c'est ça, c'est nous tellement trop près bon Dieu, nous tellement chaque jour n'a la prière, tellement chaque jour n'a jeûné, n'a fait 7 jours, 21 jours, 40 jours et puis les nous péchés, c'est pas grave. Bon Dieu pas bon, péché pas capable rester bon côté bon Dieu. Nous besoin pour nous porter victoire, pour nous porter victoire, mandez bon Dieu pour ba nous victoire sous défaut de caractère nous yo, ni moi même avec vous frère c'est ça. C'est pas seulement prêcher dire repentir, convertir. Oui, n'a dit l'autre monde. Tant que j'ai m'a dit l'autre monde, nous même tout n'a dit l'autre monde, mais c'est pour nous examiner, pour m'examiner tête moi, pour examiner tête tout pour ouais. Ça n'a dit monde là, est-ce que nous même n'a pratiqué tout? Est-ce que n'a repenti? Est-ce que n'a porté victoire? Que bon Dieu aide nous frères et sœurs pour nous porter victoire sous péché nous pour même Jean bon Dieu lui pardonner Moïse de péché lui, bon Dieu pardonne-le. Et bien pour nous même tout pour péché nous capable pardonner parce que nous repenti. Et même si nous ouais la mort sous terre ça ou bien même si nous pas ouais la mort mais n'a prêt pour nous monter dans le ciel. C'était la lecture pour matin hein? En nous prier. Seigneur merci pour grâce, merci pour bonté. Merci pour le plan de la rédemption. Si c'est pas de Jésus, nous tape sans espoir. Mais Jésus il mourut pour péché nous yo. Alors depuis nous repenti, nous converti, même Jean côté déclaré que même Jean Jésus fait ça tant qu'on est que Moïse lui sans tache parce qu'il est repenti. Eh bien nous même tout n'a va sans tache. Rad nous va blanc, plus blanc que la neige. Fais-nous grâce, sauvez-nous. Couvrez-nous avec robe de justice Jésus, retirez péché nous yo, ba nous victoire sous yo. Nous prions comme ça au nom de ton fils Jésus.
Amen.